Belle question. Mirk Koshoko 69, d'où vient ta simplicité malgré les tentations de prendre la grosse tête? Bah, j'ai toujours été riche et célèbre. T'imagines l'abruti, il a pas compris la question. Non, mais moi je pense, tu sais mon frérot, je vais te dire un truc. J'ai tellement en fait, si tu veux, j'ai tellement peur entre guillemets de mourir ou quoi, que j'ai pas forcément envie, tu sais, d'avoir que les gens aient un mauvais souvenir de moi, tu vois. Donc du coup, ça sert à rien de se branler ou quoi que ce soit, parce que tu sais, il y a certains trucs que j'ai jamais raconté, que j'ai vécu, tu sais, et je pense que je le raconterai jamais, parce que de un, les gens ne me croiraient pas, et de deux, peut-être que les gens me verraient d'une autre manière, pas mal, hein, au contraire, hein, tu vois. Mais il m'est déjà arrivé des choses dans ma vie, faut pas oublier que j'ai 35 ans. Qui ont fait que si tu veux, je me dis, mais en fait, ça sert à rien de te branler parce que demain tu peux te retrouver à la rue. Ça sert à rien de te vanter que j'ai ci, j'ai ça parce que ça, on peut te l'enlever ou tu peux le perdre. Et ça sert à rien surtout d'être arrogant parce que en vrai, demain, quelqu'un qui est arrogant, bah, tu sais pas avec qui tu vas être arrogant. Ça se trouve, un jour tu vas te faire soulever, un jour, voilà, il peut se passer un milliard de choses. Donc ça sert à rien de faire le cow-boy et ça sert à rien de dire que ah, je suis riche, il m'arrivera rien. C'est complètement faux, tu vois. Mais encore une fois, ça, c'est des choses qui sont tellement personnelles, entre guillemets, que j'en parlerai jamais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que et ça m'arrange aussi, tu vois, ça m'évite de répondre à certaines questions. J'ai toujours cette image dans la tête des gens, du mec qui est né avec des milliards dans la bouche, ce qui est le cas. Et du coup, bah, ils pensent que grâce à ça, bah, malheureusement, enfin, heureusement d'ailleurs, ça peut te sauver de plein de choses, mais c'est vraiment faux. Donc du coup, c'est pour ça que, pour moi, si tu veux, genre, ce que j'ai aujourd'hui, bah, ne m'appartient pas. Tu vois, il appartient à Rabbi. Si tout ça ne m'était pas destiné, ça serait pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, on peut me le reprendre. Et donc, bah, mieux vaut rester tranquille et arrêter de se branler et machin. Et j'ai ça, et j'ai ci, et patin, et machin. Tu vois, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut rester tranquille. Il faut être reconnaissant pour tout ce qu'on a. Et puis, bah voilà, après, faire sa vie, tu vois. Tout simplement les refs. Alors, tu as une idée sur une prochaine voiture, à part le RAM, sauf si t'as craqué. Bah, je suis revenu tout à l'heure avec ma nouvelle voiture que je suis allé chercher tout à l'heure. C'est la seule voiture depuis la Bugatti Veyron que je suis allé la chercher avec la boule au ventre. Mais genre vraiment la vraie boule au ventre. Genre hier, j'étais angoissé. Et quand je suis rentré, j'ai mis à peu près 1 heure pour rentrer. La personne qui était avec moi, je lui disais, ouais, là, c'est sérieux comme voiture. Tu vois, ça m'avait pas fait ça depuis la Bugatti Veyron. T'as encore un Blackberry? Oui, j'ai encore un Blackberry, mon frérot. Corvette? Mais non, c'est bébé Corvette, pas. Non, c'est mignon, frérot. C'est mignon, mon frérot. STP, frérot, fais une autre vidéo folle que toi, folle de toi avec un abo. Mais frérot, ça, c'est le genre de demande. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, frérot? C'est pas moi qui vais. Je sais pas comment répondre à cette question, tu vois. Ouais, j'ai vu Porsche Design avec une coque carbone, mais ça m'intéresse pas. Ça, c'est des gadgets. Moi, je m'en fous. Je suis bien, grâce à Dieu. L'iPhone, frérot, il fait le taf. Hein. Oui, je me rappelle des téléphones Vertu. J'en avais, frérot. Combien j'en ai eu des Vertu? Ça servait à rien. C'est de la merde. Tu penses qu'un jour il y aura le retour d'une tétée? Non, frérot, c'est vraiment terminé. Frérot, je peux pas. Je peux plus revenir à ces choses. Maintenant que j'ai goûté le démon, maintenant que j'ai goûté des trucs sombres, frérot, depuis que j'ai goûté ces yeux rouges, frérot, quand t'allumes la voiture, que ça tremble comme ça, je peux plus revenir à ça, frérot. C'est fini. Mais c'est bon! Écoutez, j'ai faim, frérot. Voilà. J'ai faim. Quelle heure il est? 20 h, frérot? Ah non! Non! 20 h 20! Non! Je vais aller manger au CGB du poulet frites. Incroyable, un bon poulet frites là, frérot, ça ferait vraiment plaisir. Alors, Karmassi, tu penses que tu pourras faire passer la sans permis de Sylvain sur la jeune chaîne? Bah, j'aimerais bien, oui, bah oui, bah ça ferait une vidéo incroyable. S'ils sont chauds, je suis chaud, comme d'habitude. Une bonne pizza. Ah ouais, là, tu vois, une bonne pizza, j'aurais pas dit non, mais ça peut me lancer une diarrhée. Et le live se termine là-dessus, ça peut me lancer une diarrhée. Un couscous merguez. Non, mais vous savez, frérot, nous, les Arabes, on mange parfois d'autres choses. Ah, je suis morse.
Bon, on se regarde un petit porno. Ah, t'imagines, frérot, là, le Diego, je pense que là, le Diego, c'est, il doit être chez lui, capuche, dans son canapé, comme ça, le masque, les lunettes, même s'il est chez lui. Hein. Ah non, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Après, je lui dis, ouais, frérot, c'est chaud, il va m'envoyer sur WhatsApp. Ouais, là, c'est un peu chaud. Ah, putain, je suis mort. Mais que c'est quand même beau. Ça va, il y a du monde, hein, quand même, pour un samedi, pour un vendredi soir où les gens sont un peu chauds. Ils sont partis se décoffrer, hein, un petit bzèze, hein, ça fait plaisir. C'est du jus. Akram, songes-tu à l'été avec ton sein? Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, ouais. Le petit allaitement, frérot. Est-ce que vous croyez que les hommes, on peut avoir du hlib dans les seins ou non? J'ai une question bête, mais imaginons, par exemple, on est dans une jungle et il y a un enfant avec moi, tu vois, genre mon enfant qui vient de naître. Il n'y a vraiment personne. Est-ce que tu penses que si je le fais téter, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, j'aurai du lait ou pas? Je sais pas, frérot. C'est une question que je vous pose. J'en sais rien, frérot. Le lait maternel vert. Non! On ne parlera jamais de cette histoire. Non, Salvador. Non, Salvador. Non! Possible, c'est prévu pour ça. Allez hop, on va checker sur Google. Un homme peut-il allaiter. Je vois que je suis pas le seul connard à poser cette question, ça me rassure. Alors, les hommes peuvent aussi donner leur lait. Dans certains très rares cas, les hommes sont capables d'allaiter des bébés. Rien de bien étonnant puisque les hommes ont aussi des glandes mammaires. Si un homme ne produit plus de dopamine, mais que de la prolactine, il peut avoir une montée de lait. C'est ouf. Hey Diego, ramène ton verre, un petit peu de lait chaud. Ah putain, je suis vraiment mort. T'imagines, Diego, t'arrives le matin. Hé, hey, tonton, donne-moi un peu de lait. Et moi, je suis là. Pff, allez, allez, ça fait plaisir, Diego. Et Diego, oh, c'est terrible, le bon lait de chèvre. Tonton, le distributeur de lait chaud. C'est pas du lait, c'est du jus. C'est incroyable. Bon, bah, allez, on va se la mettre. Non, bah, ça suffit. Pourquoi il est là, Foufi? Attendez, j'ai Foufi qui veut rentrer. Ah non, mais viens pas, Foufi, parce que je fume et ça pue la cigarette et tes petits poumons vont devenir tout noirs et puis tu vas crever. Non. Non, non, reste là-bas, Foufi. Non, je ne t'ai pas vu, je ne te vois plus. Tu appelles le gars de Fresh Detailing comme ton chat? Alors, cheveux, avant de t'insurger et de me lancer une sauce sur Twitter, tu saurais que le prénom de mon chat, à la base, c'était Foufou. D'accord? Le surnom de Julien de chez Fresh Detailing, c'est Foufou aussi. Mon chat, je l'ai connu avant de connaître Foufou. Donc pour pas qu'il y ait de problème, j'ai renommé mon chat Foufis. Ou Foufite. Ou Foufouillon. C'est pas mon problème. Pourquoi ça serait de ma faute? Merde! Salut tonton, ça va? J'ai une petite question. C'est toi qui es descendu à Marbella avec ton RS3 vert? J'habite là-bas, j'aurais bien aimé te voir, frérot. Non, c'est pas moi, mon frérot. D'ailleurs, la voiture a été saisie à Marbella. Par les flics là, les carabinieri ou je sais pas comment on les appelle là-bas, qui sont des vraies merdes, je tiens à le préciser. Nounours, le gourmet des pare-chocs dans le meilleur. Non mais là il s'est beaucoup calmé, hein, frérot. Le frère Nounours, il est calme, hein, il fait plus de conneries. C'est le Malinois par contre qui commence à tout biser. Tu viendras avec le Trackhawk à Bruxelles? Non, je vais venir, frérot, avec le Defender. Je ne viendrai pas avec le Trackhawk pour lui mettre des bornes. D'ailleurs, ce que j'ai acheté, ça démonte le Trackhawk. C'est con. Mais les deux ensemble, ça va être joli. La photo sera belle, la photo sera belle, frérot. Salut Akram, tu suis la Formule 1, Hamilton, bon pilote ou bonne voiture? Franchement, mon frérot, je ne suis pas vraiment la Formule 1. Mais Hamilton, oui, je pense que c'est quand même un bon pilote, oui, bien sûr. Puis les voitures sont bien, mais Hamilton est un bon pilote. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette question? Je ne l'ai pas vue. Ça t'est déjà arrivé? Putain, ça va trop vite. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça t'est déjà arrivé d'acheter une voiture et de la dégager 24 heures après? Oui, une Enzo. Je fais du golf? Non, mon frérot, désolé. J'avais une amie à moi, frérot, qui faisait beaucoup de golf. Et un jour, elle a réussi à cracher une balle de golf de sa fouf. Incroyable! Ça allait loin! Merde! Pourquoi j'ai pas aimé l'Enzo? Parce qu'il n'y avait pas le CarPlay, mon suisse. Non, je rigole avec toi, mon frérot. Non, j'ai pas. C'était trop cher, c'est pas mon délire, ça suffit, frérot. J'avais 25 ans, j'étais sur Tinder, le laitier tous les soirs. Pff, touche de sperme! Et donc, l'Enzo n'était pas pour moi.
La légende raconte que tu as de la famille dans l'écurie McLaren. Info ou intox? Ça, c'est une question qui était, qui. Je vais, on va regarder. Il y a quelqu'un qui vient de ralasse le live en entier. GDF, ça fait plaisir, t'es un chef. Alors, on va voir si c'est de l'info ou de l'intox. Peut-être c'est secret de parler de ça. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Dégage, saleté! C'est ce connard de tonton! Ouais, c'est bizarre! Alors, une Shelby GT1000, ça doit être incroyable chez American Car City. Alors, la GT1000 n'est produite qu'à la demande, les gars. C'est pas une voiture, entre guillemets, qui pourra se trouver en stock. Il faut la commander pour qu'elle soit produite. Et on ne sait même pas si ça sera, si ça sera, comment dire, si ça sera homologable en France, tu vois. Faut pas oublier, tu vois. Les voitures, c'est toujours à la demande où il y a des stocks. Non, il y a des stocks, frérot, mais là on parle vraiment d'une GT1000, ça coûte 390 000 euros. Bon, on va se calmer. 400K la voiture, mais ils ont pété les plombs. Non, mais non, Nabil, mais oui, mais c'est comme ça, frérot. Allez, on va regarder combien ça coûte. Shelby 1000. Allez, on est parti, on part là-dessus. Déjà, elle est moche. La Shelby 1000 dégage. La Shelby 1000, la muscle car 2000 chevaux taillée pour les circuits. En marge du salon, machin, on s'en fout. Ok, bah écoute, c'est cool. Voilà. Donc, prix. On va y aller tout de suite, frérot. Prix. Voilà. Non! Oh là là, mais c'est pas possible d'être aussi con! Voilà. Alors. Cette voiture hors norme ne sera fabriquée qu'à petit nombre d'exemplaires, 50 pour chaque modèle depuis 2015 à compter du 1er. Côté tarif compté, 169 995 dollars pour la modification, soit près de 146 000 euros. Ils mentent. Voilà, regarde, elle est là. 390 000 euros. Je n'ai pas menti. Ok? Je n'ai pas menti, la famille. Regardez, je ne suis pas un menteur. Sans même regarder, ça coûte 390 000 euros. Donc là-dessus, oui, on voit que oui, il y a quand même du boulot. Mais ça, c'est du flan. Le compresseur, oui, existe vraiment. Il est là avec l'entrée d'air, mais c'était un moteur que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur toute la gamme. Et voilà, c'est du flan d'acheter ça, frérot. C'est des conneries d'acheter ça. Peut-être y a le CarPlay. Qu'est-ce que vous pouvez en lire? Tonton, tu t'es déjà fait mettre à l'amende avec une caisse de merde, genre un slipper? Oui, par une Golf qui avait du gaz dedans, oui. Ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle d'un live Periscope où tu prenais un bain, on voyait tes poils de torse, c'était terrible. Ouais, t'as vu que les poils que j'ai, frère? C'est dingue, hein, d'être aussi poilu comme ça. Mais généralement, nous, les Arabes, on a tous un ventre, on a tous une calvitie, on a tous des poils. Qu'est-ce que c'est fou, quand même! Tonton, c'est quoi le meilleur plat que t'aies mangé, genre un plat qui t'a fait baver du sein? Moi, j'ai un restaurant dans Paris, j'aime énormément y aller. D'ailleurs, putain, j'y pense, mais c'est sûrement ça qui m'a foutu la chiasse. Je vais beaucoup à l'entrecôte. Faut aimer la viande, tu vois. Putain, de la viande avec de la sauce, enfin de la sauce escargot au beurre et des frites, putain. Et après ça, ton cul frérot, c'est un Dodge Ram le délire. C'est dégueu ce restaurant.